Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce 127e épisode de Fire Emblem Three Houses. J'espère que vous allez bien. Je le suppose, on va dire que oui, voilà, j'en perds mes mots tellement je suis enthousiaste à l'idée de jouer à ce Fire Emblem, évidemment. On a envie d'en savoir plus sur les choix, les décisions qui ont porté les Delgarde à faire toutes ces conneries dans les autres routes. Et ben là, on a déjà un peu plus compris pourquoi elle avait cette haine envers l'Église qui finalement défend. Le système actuel, donc avec la déesse et surtout les emblèmes, et Edelgard de l'autre qui s'est fait complètement fait ravager, sa famille s'est faite ravager pour que elle naisse, parce que finalement, un peu à la manière de Byleth, eh bien, ils ont fait des tests, des expérimentations pour qu'elle ait un superbe emblème, et on manque de peau, plutôt coïncidence, plutôt flagrante, c'est qu'elle a le même emblème que nous. Hey! Donc, a priori, elle devrait être capable de maîtriser l'épée du créateur. Ça, c'est une info de chat ou pas? Non, normalement. Mais après, est-ce qu'on peut lui donner? Je crois bien. À voir. Mais on va pas le faire, puisque c'est quand même l'arme de Byleth. Allô, c'est dans Smash. Y a-t-il des soutiens? Bah oui, on a Byleth, mais ça marche pas. Je pense qu'on n'a pas encore. Il faut faire la mission, je pense, du moins. Tchac, est-ce qu'on ferait pas une bataille, tiens, dans cet épisode? Est-ce qu'on ferait pas genre. Non, mais ça, celle-là, elle est relou. Avec les bêtes. Celle-là, on les connaît. Non, c'est naze tout ça. On va pas faire de bataille. Est-ce qu'on refait un quartier libre? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. De toute façon, j'avais sauvegardé, donc on va se reposer, on va se reposer. Les alliés se sont reposés et en pleine forme, parfait. L'épée du créateur a été réparée, vous pouvez l'utiliser 10 fois, c'est parfait. Parfaitement parfait, ça ne veut rien dire. 24. Haha, la classe. Le bal aura lieu demain, malgré mes piètres souvenirs de bal, j'ai hâte d'y participer. Moi aussi, car je pense bien mettre un terme à la vie des prétendants, qui tourneront inévitablement autour de Dame Edelgard. Il est vrai que Edelgard est adorable, toutefois je suis bien meilleur danseur qu'elle. Vous êtes certes bon danseur, Ferdi, mais certains de vos mouvements peuvent être difficiles à regarder. Ces mots me font honneur, mais sûrement dire que je suis si éblouissant qu'on ne peut me contempler directement. Il y a de quoi avoir une telle confiance en toi, mais moi aussi je veux danser. En théorie. Peut-être viendrai-je également. Moi c'est non, vous ne me verrez pas plus danser à un bal qu'un poisson de nage en plein bois. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que t'as l'air d'une truite. Ah, mais pourquoi vous me dites ça? J'ai tellement honte, je ne sais même plus où me mettre. Une petite truite cuite. Pardon. Et sinon, pour en revenir au bal, on a le droit de choisir son partenaire. Je sais pas trop à qui demander. Ce volte-face est admirable. Si Dame Edelgard, on exprime le désir, je... Lol. Je me battrai dur avec tout ce que j'ai en moi. Non, une voix un peu plus sérieuse. Je me battrai dur avec tout ce que j'ai en moi. Petra, attendez, je crois que vous n'avez pas bien compris ce dont... Si, si, j'ai compris. Je ne suis pas une truite, moi. Elle veut danser avec Edelgard, elle a le droit, hein. D'accord. Y a pas de raison. De toute façon, y a rien de suggestif. Écoutez tous, j'ai une suggestion. Que dans 5 ans, jour pour jour, nous revenions tous au monastère. Une réunion de classe en gros, c'est une grande idée. Dans 5 ans aura lieu le festival du millénaire du monastère de Garegmak. Il paraît que pour l'occasion, le festival sera somptueux, du jamais vu. Ça donne envie d'y aller. Je suppose que ce sera un excellent prétexte pour venir vous voir, professeur. Je vous montrerai mon évolutionnisme. Ce sera bien, professeur, c'est une bonne idée. Je sais ce que nous serons. J'ignore ce que nous serons tous devenus dans 5 ans et où nous serons.
mais je sais que nous viendrons tous ici et nous fêterons alors nos retrouvailles. En supposant que le professeur travaillera encore ici dans 5 ans et non en train de profiter d'une retraite anticipée. Vous viendrez aussi, n'est-ce pas? Peu importe que vous soyez ou non en poste. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. N'oubliez pas, professeur. Je n'oublierai pas. Même si le festival du millénaire devait être annulé, je reviendrai ici. Très bien, Edelgard. Je reviendrai aussi. En espérant que le jeu me laisse le faire, évidemment. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Le 25. Le bal en question. C'est la même cinématique ou pas? J'ai l'impression que oui. Mais on va se retrouver dehors avec Edelgard, pareil. Ça va être un moment important. Genre elle danse avec un élève lambda. Genre. On a popé, on a fait salut. Non, on va éviter. Non? Bon, on y va. Allez, c'est parti. On n'a pas envie de danser, vous voyez. On s'est barré. Tu t'enfuis? Je peux comprendre. Tu n'as pas eu le temps de souffler là-dedans. Ça doit être difficile d'être la coqueluche du bal. Oh, pauvre professeur. Tout le monde ne partage pas cet avis. Oh là là. C'est une plaisanterie. Avec toi, ce n'est pas toujours facile de savoir. Tu as bien vu, ils voulaient tous danser avec toi. Et tu comptais t'enfuir où exactement? Il y a des élèves partout en train de faire la fête. Juste m'éclipser, en fait. Ah, je vois. La tour de la déesse. Allons-y. Là, il va y avoir un truc avec Edelgard. C'est important. On se met en condition. Excusez-moi pour le coup du micro. Allô? Ah non, Dorothea? Oh, on s'en fout de Dorothea. Non, c'est Edelgard qu'on veut, nous. Que faites-vous ici? C'est moi qui vous ai demandé de venir. Auriez-vous oublié? C'est la lettre que je vous ai envoyée qui vous a fait venir ici, n'est-ce pas? Quelle lettre? Pas que je sache. Vous voulez dire que c'est une coïncidence? Comme c'est décevant que vous ne soyez pas venu ici spécialement pour moi. Enfin, vous rencontrer ici par hasard, ce n'est pas sans charme. C'est comme si le destin nous réunissait. On n'a pas eu de lettre. Et ce soir, c'est le soir du bal. J'ai beaucoup de chance. Je croyais que je vous mettais mal à l'aise. Oh, ce n'est que lorsque vous regardez à travers moi en public. Quand nous sommes que tous les deux, c'est assez agréable. À l'origine, je voulais savoir comment vous réagissiez après avoir vu ma lettre. Réagiriez. Je voulais juste savoir si vous viendrez comme je vous l'ai demandé, je soupçonnais que ce serait le cas. Mais comme vous n'avez même pas lu ma lettre, je devrais m'estimer heureuse de ne pas être restée plantée là à attendre toute seule une éternité. Savez-vous que presque 9 lunes se sont écoulées depuis votre arrivée à Garrick Mac? Depuis tout ce temps, vous devez bien avoir trouvé quelqu'un qui vous attire, non professeur? Je suis désolé Dorothea, tu le sais hein. Tu le sais. Mais je vais devoir te casser le cœur. Hein. De qui peut-il bien s'agir? Vous avez piqué ma curiosité. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas si vous ne voulez pas me le dire, c'est votre vie privée après tout. Bien, je vais devoir y aller. Je ne voudrais pas vous déranger si cette fameuse personne devait arriver. En tout cas, j'espère que vous voudrez bien m'accorder une danse plus tard. Ok, non, ça va, on ne l'a pas importuné. Vous connaissez que Dorothea... Ça a déjà été notre compagnon dans notre première partie. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Et toi, tu ne veux plus danser. C'est nouveau, ça. Ça, je l'avais pas eu. Je suis fatigué. Non, je ne préfère pas. Oh, mais tu es d'un rasoir. Si j'avais un corps, je chanterais jusqu'à tomber d'épuisement. Mais bon, fais ce que tu veux. Ah, tu n'es pas le seul à ne pas vouloir danser. Regarde un peu là-bas. Si ça me dit quelque chose, en fait.
Je me casse. Je meurs d'ennui. Tu vas la suivre ou pas? Je n'ai aucune raison de la suivre, mais pourquoi? Oh, allez, dépêche-toi. Je sais bien que tu as envie de savoir ce qu'elle m'indique. J'entends quelqu'un qui chante. Je crois que ça vient de tout là-bas. Ah bah si, voilà, c'est la petite image du bal. Il y a trop d'images. Ne pas afficher le texte, on sait jamais. Veillez si j'entends, révélé par la douce lumière du feu. Fragments éparses de souvenirs dans l'onde de la rivière bleue. Tout à fait juste, évidemment. Ah là là, désolé pour vos oreilles. J'avais besoin de mettre moins. Je vous laisse apprécier le chant derrière, que j'ai du mal à percevoir. Ah non, en fait, je pouvais mettre... Ah, ok, yes. Cette chanson, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue. Non, ce n'est pas moi qui l'ai entendue. Est-ce que je l'aurais chantée pour quelqu'un? Non, c'est autre chose encore. Cette chanson, je l'ai écrite. Mais comment est-ce possible? Mais tu l'as déesse sautisse, tu traverses le temps, les âges et les générations. Ah putain, je donne des coups dans le micro avec mon épaule, ça m'énerve. Si je l'ai écrite, comment pourrait-elle la connaître? À moins que... Non, non, je suis épuisé. Toi aussi, non? Allez, au lit tout de suite. Ah ben on n'a pas eu de truc avec Edelgard. Je pensais qu'on en aurait, mais non. Triste. Il y a quelque chose après la mission? C'est chelou ça. C'est quoi? Anniversaire CTS, fête de Saint-Sithol. Enquête à la vieille chapelle. On en est où? 12 minutes. On peut largement faire la mission. Donc ça c'était... Là je viens de commencer. On va en refaire un autre. On a plein de fichiers. Allons-y. Soyons fous. Même celui-là n'était pas nécessaire. J'aurais pu écraser sur le précédent puisqu'il s'est rien passé. Yes. Capitaine, capitaine, où êtes-vous? Eh professeur, est-ce que vous avez vu votre père? Non. Dommage. Bon, alors j'imagine qu'il n'y a plus que vous. Me voilà de retour. Excusez-moi, ma mission a duré plus longtemps que prévu. Capitaine, heureusement que vous êtes là. On y a porté la présence de bêtes démoniaques près de la chapelle. C'est ridicule, personne ne m'a dit qu'on avait franchi le rempart. C'est justement pour ça que je m'y rends. Je veux en avoir le cœur net. Vous venez aussi? Évidemment, nous sommes tous les deux voués à la protection du monastère. C'est chaud d'en sortir. D'où sortent-elles? Mais d'où sortent-elles? Ah, c'est étrange, juste avant leur apparition, quelqu'un a vu un groupe d'étudiants se diriger vers la chapelle. Apparemment, ils se sont comportés bizarrement, comme s'ils n'étaient pas dans leur état normal. Peu après, les bêtes démoniaques sont apparues l'une après l'autre. Les étudiants ont-ils été tués? Les élèves, ces monstres n'ont pas pu arriver de l'extérieur. Mais bon, ce n'est pas ce qui compte. Nous devons agir vite, rassemble tes élèves. Et mince, j'avais quelque chose d'important à te dire, mais nous n'avons pas le temps. On n'a jamais le temps, c'est fou. Mais il y a une urgence, alors ça attendra. Retrouvons-nous là-bas. Il faut prendre le temps, Geralt. C'est pas une question de « il n'y a jamais le temps », le temps c'est le même. Donc c'est à toi de gérer le temps. Il faut prendre le temps. Voilà. Petite leçon philo du jour. Les élèves ont déployé l'objectif académique sont en lien avec le sujet proposé, participe au séminaire. Ok. Plus le niveau de talent la personne qui a le séminaire est élevé, plus ceux qui assistent gagnent des points d'expérience dans ce talent. C'est logique. Non. Pas vraiment. Pas parce que t'as un... Ouais, si, quand même. Ça dépend. On va dire que c'est sa qualité d'enseignement qui augmente. Sauvegardons. Non. Inventaire, unité. Est-ce qu'on a des choses à faire au niveau de la forge? Réparer des armes, notamment. Ici, ici, ici. Yuri peut-être. L'épée orale. Non, on a d'autres épées. On va faire que non. Par contre, c'était les... C'était les... Comment ça s'appelle, là? Ah, non. Ah, je l'ai plus. Les classes. Putain, c'est tout con comme truc. Je les ai pas bien assignées. Flûte. C'est Dorothea qui a un autre... Non. Non, non. Non, 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 ça va pas, ça. Ignat, ça dégage. On va mettre clairement un assistant à Edelgard. Genre, allô? Pourquoi elle a pas d'assistant? Mercedes? Ah non, elle, on peut la faire jouer, en fait.
Trop forte. Lorenz aussi. Ah, on va la faire jouer, elle. Non, mais ils sont encore niveau 1, eux. Ils n'ont pas joué, forcément. Non, on va mettre Manuela en assistante. Ou lui, cavalier. Non, c'est un cavalier, c'est bien ça. Mettre lui en mage. Hop. Bah non. Il faut que je fasse A. Ouais, c'est ça. Bravo, Toto. Linhart est niveau 11. Non, mais allô. Il faut que tu prennes de l'expérience, mon coco. Hein. Léonie, ça va dégager. On va prendre Lorenz. Hein. Et Lystea. On va la prendre à la place de... De qui? Ha! Flûte. À la place de Yuri. Félix. Félix. Allez, à la place de Félix. Ou Happy. Non, à la place de Happy. On va mettre ça et on va mettre Happy en assistant sur Lystea. Ça, vu qu'elle fait de magie toutes les deux, elles vont s'entraider. Est-ce que c'est cohérent? Je n'en sais rien, mais moi ça me paraît cohérent. Les unités. Non, carte. C'est carte, il faut. En premier rang, les supports, tout à fait logique. Pas du tout. ça me va. En vrai, le reste, ça me va. Ok. Finalement, il y a Félix. J'ai remis Félix. Je comprends plus. Unité. J'ai remis Félix. Il y a Lorenz. C'est qui que j'ai viré? Je peux mettre Mercedes, non? Elle fait quoi? Elle fait prêtre. Elle a de la magie d'attaque ou pas? Parce que si elle fait que du soin... Non, elle a pas de science, elle. Si, elle a un peu de science. Vraiment peu. Bah écoutez. Faut quand même la mettre, je pense. Place de Félix. Ça fait un deuxième support, hein. On va sauvegarder, hop. Et c'est parti pour le combat. Décimer l'ennemi. Baylès, Edelgard ou Gérald sont vaincus. Bah ça vaut le coup d'essayer de se faire chier à sauver Gérald, je pense. Hein. Il y a vraiment des bêtes démoniaques ici, elles sortent de la chapelle. J'y vais. Vous, protégez les élèves qui n'ont pas réussi à s'échapper. À l'aide, les bêtes, elles. À l'aide. Espèce de bête stupide. Vous n'avez pas intérêt à vous approcher de moi. Ok. Allez, stay focus, évidemment. On va se faire défoncer si on fait ça, non? Sinon, va bien falloir y aller. Foudre. Yes, épée du créateur. Non, on se fait claquer. Ok. On se fait claquer. Là, il se fait attaquer pareil. Voyons un petit peu les zones d'attaque. Nous allons attaquer cette bête plutôt, du coup. Hein. Ok, il se fait claquer. Yes. Ah, c'est bon, ça. Non, ok. Bon. On va faire ça, hein. Attends, non. On espère qu'il ne le tue pas, l'élève. Non, ça va. Here we go. Hop, on va la mettre là. Hop. On va tous se focus sur le... Sur la méchante à gauche là. Hop. La méchante bébête. Ça fait de le garde, il va l'attaquer tout seul, c'est ça le sale idée? C'est ça l'histoire? On va faire ça, hein, on va pas prendre de risque. Ok. Tant pis si les élèves meurent, j'ai envie de vous dire. Hein. On va faire en sorte que non, mais... Ceux-là sont condamnés là-haut. Vous êtes trop loin, les copains. Cette bête démoniaque, elle a quelque chose sur son front. On dirait une gemme. Ah. Monica. On retrouve Monica. Non, mais là, par contre... Y'a pas genre... Quelqu'un qui a un... Non.
comment ça s'appelle. J'ai pas régénéré mes escouades. Je fais le con en fait, je crois. Toi, t'as une escouade. Pourtant, je... C'est bizarre quand même. Je suis censé en avoir des escouades attaque. On va faire ça, écoutez. Faut bien attaquer à un moment, non? Ne pensez-vous pas? Shamir. Tu peux bien lui foutre un pâté, non? C'est tout. Je pensais que tu le mettrais plus, hein. Bon, 28, c'est pas mal en vrai. Wow, Shamir! Oh, Shamir, je t'aime. Shamir, je t'aime! Oh, comme il lui a défoncé la gueule. Genre, hey! Au fait, je t'ai pas dit. Si tu mourais. C'est pas mal, non? Attaque, miasme. Non, mais elle fait zéro dégâts. C'est quoi ça? Tu fais surtout claquer la gueule en fait. Y'a pas un autre archer? Non. Ok, je peux pas genre faire attaque, météorite. Comme ça, ça la met mal, non? Ah non, ça le fait pas les 3, les 4. On va faire comme ça, histoire que ça lui fasse des dégâts. Même si je suis pas certain que c'était une bonne stratégie. Hop. Je peux l'attaquer d'ici, non? Non, ok, yes. On va attendre là. Hein, voilà. Hop. Fin. Aïe. Ouf. Shamir, elle esquive tout. Elle est trop forte. Elle est trop forte, Shamir. Non, mais en vrai, les combats où je galérais déjà à l'époque, ça va être chaud du slip. Là, on fait zéro dégâts. Faut vraiment augmenter les... Ah ben voilà, tu veux bien faire une... Pourquoi tu l'as fait que maintenant? Tu voulais pas la faire tout à l'heure? Je comprends plus, moi. Putain, ça va lui défoncer la gueule, non? J'ai qu'un coup avec ça. C'est bien dommage. Bon, on va le faire. Hein. On n'a pas le choix. Vas-y, de le garde. Je boum. On lui a tout pété, non? Non, même pas. Oh là là. C'est dramatique. Bon, Shamir, tu veux pas refaire ton coup, là? En vrai. Coup critique 32. Voilà. Oh non, Shamir, tu nous habitues à mieux. Bon. Lui, il fait rien. Ah, tu peux pas l'attaquer. Yes. Ok, bah écoute. Va pour Torton. Et même d'ici, tu peux pas l'attaquer, mais tu sers vraiment à rien. Bon, bah, bye less, du coup. 25. 11 x 2, c'est pas suffisant. 25. Bah, va pour 25 alors. Hein. On va faire avec. Alors, ces bêtes démoniaques étaient en réalité des élèves. Comment est-ce possible? Merci, les autres qui n'ont pas pu s'enfuir. Comment vont-ils? Eh bien, ils sont morts. C'est tout. Merci d'être venu. Oula, non. Non, mais il y a trop de bêtes démoniaques là, ça va pas. Ça ne va pas du tout, du tout. Hop. Il a pris des dégâts, lui. Ouais, il a pris des dégâts. Support, remède. Byless. Boum. Il reste sa mère d'aller. Il aurait pu soigner Geralt. Pas content. Bon, les bêtes, elles attaquent. Ok, avec toutes ces bêtes démoniaques, atteindre la chapelle ne va pas être du gâteau. C'est sûr. Par contre, ça serait bien que tu ne meurs pas, Geralt.
Celle-ci est coriace, mais t'es tout seul surtout. C'est surtout ça en fait. Mon gars. Ah, j'aurais vraiment dû le soigner. Hop. Aïe. Non mais faites des trucs. Je sais pas, la fête de la patate ou... Essayez d'innover un peu. Ah, c'est bien ça. Old strategy. Ok, ça a touché. C'est l'essentiel. Normalement, ça va la... annihilated. Ou presque. On peut pas aller sur lui, là? Ah, merde. Je sais qu'on pourrait, mais... Ah, si, là, je peux. Ok, très bien. Du bim. Ah, mais du coup, lui, il peut plus... Ah si, il peut. Non, il peut pas. Oh, le con. Ah, si j'avais su. Ah. Non. Fuck. Parce qu'il bloque le passage, en fait. Ah, c'est ça. Ah, j'ai fait le con. Attendez, hop. Que lui il peut se rebarrer après s'être déplacé, donc c'est vraiment la stratégie de Toto quoi. Désolé d'utiliser un truc comme ça, mais je suis obligé parce que sinon ça nique tout mon plan de fin stratège évidemment. Hop, même un coup critique obtenu. Acier noir, voilà qui est mieux. Et derrière toi tu peux même y aller et lui mettre une sacrée tatane. 33% de chance de coup critique, c'est bien ça. Voilà. Et boum, on l'a tué. Enfin, au moins une partie de sa vie, quoi. Est-ce qu'on peut pas redonner du support à notre ami Gérald? Si. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Hop. Hop. Et Shamir. On peut pas te laisser toute seule en fond, quoi. Enfin, au fond. Aïe aïe aïe, 74 PV. Wow. Et Gérald, il y va tout seul. Pourquoi on peut pas l'avoir dans notre équipe, Gérald? Parce qu'il est fort, Gérald. Pourquoi je peux pas le contrôler, Gérald? Parce qu'il meurt. C'est la dernière fois que tu vois sa gueule. Oups. Non. Pourquoi, Gérald? Ok, alors. Lui, il va crever par contre. Là, il y en a marre. Là, il y en a marre. Hop. Tchac à tchac, je peux faire le grand tour comme ça. Et de l'autre côté, non. Là, tu te fais claquer. Yes, c'est bien. C'est bien ça. Shamir, évidemment Shamir. Là, tu lui éclates la gueule, non? Voilà. Il est où le coup critique là? Putain. Shamir. Qu'est-ce que ça foutu? Du créateur. Bon, t'esquives tout là, non? Ah, voilà le coup critique, c'est ça qu'on veut. Ça qu'on veut, Byless, c'est ça, hein. Pas d'autre chose. On veut que tu lui leur éclates la gueule. Alors, support. On veut pas trop que tu meurs, Gérald. On a bien fait de prendre deux supports. Dessus. Parce qu'il aurait vu bleu, le gars. Il aurait vu flou. Toi, bah non, avance du coup. Hop, est-ce que je peux... Non, mais elle a vraiment zéro portée d'attaque. C'est vraiment de la caille. On me l'a survendu. Attends, elle vient d'arriver. Donc, son premier combat, la petite. Ça va pas du tout. Hop. Attendre. Et boum, c'est Edelgard qui danse. On aurait pu faire danser quelqu'un. Au lieu de rien faire. J'avais zappé ça. Mais elle est pas danseuse en fait, je suis con. Je l'ai pas mise en classe de danse. Encore. Elle l'a débloqué, mais je l'ai pas mise. Boum. Non, mais lui il résiste pareil quoi. Ils sont plus résistants que mes mecs quoi. C'est quoi ces élèves? Ils prennent un coup de tatane, ils meurent pas. Derrière ils se soignent. Alors que nous, ben on se fait OS quoi. C'est cool hein. Ah ben voilà quand tu veux, Gérald. Tu fais des dégâts.
Ah, il s'est barré. Hop. Quand tu veux, tu peux. C'est un peu con comme... comme machin, mais... pour une fois, c'est vrai, quoi. Voilà, tu lui as mis des dégâts. Allez, hop. À ton tour, Byleth, de lui mettre des dégâts. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Voilà, tu me fais le plaisir d'un coup critique. C'est mieux, Byleth. On te préfère dans cette forme-là. Dans la forme de personne ne peut me battre. Vous savez. Par contre, là, l'épée du créateur, elle va casser bientôt. Ça, ça va être un peu moins sympa. Oh non, l'Istea, d'où elle crève. Oh non, il bloquait le... elle bloquait le passage. Elle va prendre tellement cher. Elle va crever, non? Elle est morte. Support, je peux la téléporter, je crois. Support, téléport. Non, ok. Hop. Donc on va faire ça. Là. Support, téléport. Listea. Là. Hop. Si ça c'est pas bien joué. C'est Yuri qui va se faire claquer du coup. Non. Et voilà, il attaque plus personne si Edelgard. Ah, c'est elle qui meurt. Yes. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est excellemment bien joué ça. JPP de ma vie. Bon bah du coup, on va prier qu'elle esquive tout, sinon on back, hein. Allez hop. On fera un retour dans le temps. Est-ce qu'Edelgard meurt? Ouais. Ok. Allez, on remonte. On remonte dans le temps. Bête, commence la phase ennemie. Shamir a bougé. Edelgard a bougé. Dorothée a bougé. Yuri a bougé. Ok. Ça, c'est bien. Dorothée a bougé. Enfin, Yuri a bougé. Byleth a vaincu bête démoniaque. Voilà. Là, on est dans la merde. Donc, on fait ok. Donc, on fait support. Téléport. Hop. Et toi, on te met genre ici. Voilà. Tu bouges plus. Et il affronte forcément Byleth. Et nous Byleth, ça va. Normalement. Voilà. Un peu plus solide le bonhomme. Ok. Shamir, on te met à position. Ça veut rien dire. En position, c'est mieux. Pour aller lui dérouiller la gueule. Ok, j'aurais pu soigner Geralt, mais non. Heureusement, il y a Yuri qui est là. Ok. Boum, là on est bon. Ah ben Ripley lève. Hop. 19. 17 du coup. Et il prend 7. Ok. Bon lui il soigne, c'est cool. Ah ben voilà un coup critique. Très bien. Ok. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais faire donc une coupure, évidemment. Moi, je continue, donc c'est plus chiant pour vous que pour moi. Je vais m'arrêter là. Mais je vous dis quand même merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.